l'archevêque Miguel de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Nous sommes heureux et heureuses de pouvoir vous donner la grâce, de rendre grâce au Seigneur pour ces 46 ans du bon cardinal Émile Pereda qui nous a précédés dans le Seigneur. Que Dieu lui-même vous donne la grâce de rendre grâce au Seigneur en communion avec cette confrérie Émile Pereda de l'archidiocèse. Nous en sommes heureux et que Dieu lui-même, par la Sainte Vierge Marie, vous conforte dans cette mission de pasteur à l'instar du bon cardinal Émile Diaye. Excellence, vous êtes la bienvenue aussi bien dans votre cathédrale, aussi bien accueilli par la confrérie Émile Diaye de l'archidiocèse de Pointe-Noire. Je suis arrivé avant-hier de retour de Bangui en République centrafricaine. Et aussi le dimanche où je présidais la messe à la cathédrale de Bangui, nous avons rappelé cette date du 22 mars de la mort de notre cher cardinal Émile Pereda. L'ouverture de la messe d'aujourd'hui, il dit: moi je te prie Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi par ta vérité, sauve-moi. Effectivement, c'est l'heure de la grâce de pouvoir célébrer cette solennité de 46e année de la mort de notre cher cardinal Émile Pereda. Demandons au Seigneur surtout aujourd'hui, à travers notre cher cardinal, la grâce de la paix pour notre terre, cette paix si chère et qui tarde à venir. Nous connaissons les affrontements de plus en plus durs, des guerres, des gens, des disparitions, des tremblements de terre, tout un tas de misères. Nous aussi nous demandons cette paix pour notre pays le Congo, cette paix pour chaque région du Congo, cette paix pour chaque famille, cette paix et cette unité pour notre archidiocèse que le Seigneur nous donne à travers sa parole. Dans la célébration de cette Eucharistie, de vivre dans l'unité et dans la paix. Et avant d'écouter sa parole, nous demandons humblement pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, dans tous mes frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, que priez moi le Seigneur notre Dieu. Que nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle.
Seigneur Dieu, qui offre juste la récompense de leurs efforts et les pardons aux pécheurs qui se répandent, prends pitié de ceux qui te supplient, afin que la confession de nos péchés obtienne le pardon de nos fautes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Et de donner la vie en union avec son Père.
C'est la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean au chapitre 5 du verset 17 au verset 30. Saint Jean au chapitre 5 du verset 17 au verset 30. Pour acclamer et écouter l'évangile, frères et sœurs, veuillez vous lever. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait, Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime son Fils. Il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et leur donne la vie, le Fils, lui aussi, donne la vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qu'il a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle. Et il échappe au jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis, l'heure vient et c'est maintenant où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de prononcer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux
vont entendre sa voix et ils sortiront. Ceux qui ont fait le bien ressuscitant pour entrer dans la vie. Ceux qui ont fait le mal ressuscitant pour être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends. Et ce jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Chers confrères dans les sacerdoces ministériels de cette paroisse cathédrale de Saint-Pierre, Père Monnier, Père Acam, Père responsable libéral, chers membres des confréries, à ce confrérie Rivière-Yenda, nous sommes réunis dans cet acte qui est central dans la vie chrétienne, pour rappeler que le sacrifice du Christ continue à se perpétuer dans le sacrifice de beaucoup de personnes, je dirais de toutes les personnes qui donnent leur vie jour après jour pour le salut du monde et pour la fidélité à l'Évangile. Et il y en a de ceux qui, comme notre cher cardinal Emilia Yelda, un jour aussi, ils ont donné leur vie volontairement pour le salut du peuple de Dieu. J'aime répéter que nous, les chrétiens, tous à celui, catholiques et non pas catholiques, nous appartenons à une église de martyrs. Quand nous voyons les premiers siècles de l'église, la quantité de martyrs, qui sont là, des gens simples comme vous et moi, et qui ont donné leur vie, qui ont accepté de mourir pour le Christ. Aujourd'hui encore, dans beaucoup de situations de violence que nous ne voulons pas, il y en a encore des gens qui meurent, et d'autres qui meurent exprès par fidélité à leur foi. Le sang des martyrs est toujours et partout dans le monde fruit des nouvelles baptisées, fruit des nouveaux baptisés et de ceux qui adhèrent à l'évangile du Christ. Puisque le plus grand témoignage de la foi, c'est de donner la vie pour ceux qu'on aime. Ce que le cardinal avait fait. Dans mon histoire personnelle, j'étais en voyage quand on avait assassiné le cardinal Emilia Yelda. J'étais au Gabon et j'étais déjà destiné à venir au Congo. Et au moment où je me mets en route pour faire ce voyage, je vais venir au mois de mars à Brazzaville, j'entends que les frontières sont fermées, on vient d'assassiner le cardinal, notre cher cardinal. Mais j'ai eu la chance, à partir de juin, 77, l'année de sa mort, de connaître et vraiment avoir une amitié forte avec celui qui était son vicaire général, l'abbé Louis Badila, qui avait travaillé tant aussi à côté du cardinal, qui a été témoin et qui souvent il répétait, il faut qu'il y ait le procès contre les assassins cardinaux.
Il disait, s'il y a eu un procès contre les assassins du président, il doit en avoir aussi un procès. Malheureusement, il est mort assez vite, mais c'était un homme de profonde foi, un homme qui a péché à la mort du cardinal, une révolte populaire énorme. C'est lui qui a pacifié au nom du cardinal, à cause des paroles du cardinal, que vous connaissez bien, qui a essayé de réconcilier les gens du nord, du sud, de l'est et de l'ouest du pays. Pourquoi? Parce que la violence ne conduit qu'à la violence. Vous voyez, ça fait plus d'un an qu'il commençait cette guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et un an après, non seulement elle ne s'est pas arrêtée, mais elle a fait de plus en plus de morts, elle fait de plus en plus de dépenses, elle crée de plus en plus de dépendances, et cela produit une plus grande pauvreté dans toute la terre. Et nous nous rendons compte parce que certaines denrées alimentaires sont rares, deviennent chères, et c'est parce que ce pays impose la loi à cause de guerre. Mais aujourd'hui, nous voulons, à travers la parole de Dieu, de l'évangile de Saint Jean, surtout nous rendre compte que cet amour du Père est amour qui touche à notre foi. Le texte que nous avons lu de Saint Jean touche notre foi et nous envoie non à ce que nous pouvons pratiquer comme les dévotions que nous avons, mais à ce que nous croyons vraiment au plus profond de notre esprit et de notre cœur. Pour les Juifs, à l'époque de Jésus, ce n'était pas évident de reconnaître que Jésus, qu'ils connaissaient comme étant le fils du charpentier Joseph, soit le fils de Dieu, comme il dit. Ils attendaient le Messie, certes, mais Jésus ne correspondait pas à l'image qu'il se faisait de ce Messie. De plus, leur pratique religieuse était stricte. Nul ne pouvait se prétendre être l'égal de Dieu et donc encore moins son fils. C'est ce que nous entendons de la bouche de Jésus. C'est pourquoi Jésus fait tant de miracles. Il décide que les esprits et le cœur s'ouvrent au moins à la vue de cela. Mais les esprits et le cœur de lui restent fermés. On pourrait même dire enfermés dans la conception de Dieu et de la manière dont il faut pratiquer la foi. Vous voyez, frères et sœurs, à fur et à mesure que nous avançons dans la vie, il faut que notre foi aussi grandisse. Que notre conception de Dieu devienne plus complète pour nous. Que nous comprenions que ce Dieu, il n'est pas vengeance, ce Dieu est amour. Jésus a beau affirmer que sa puissance lui vient de Dieu, que ce Dieu, le Père, qui lui montre tout et qui lui donne de pouvoir exercer sa mission, il ne veut pas entendre quoi que ce soit. Il reste là sur leur propre conception de Dieu. C'est dangereux quand dans notre vie, notre conception de Dieu n'évolue pas à une meilleure compréhension. Si chaque jour nous écoutons la parole de Dieu, si le dimanche spécialement on soigne l'explication de la parole, c'est pour que nous comprenions de mieux en mieux qui est ce Dieu amour. Or, Dieu, c'est Dieu d'amour. Jésus est amour aussi. Pour cela, il dérange. Il bouscule car l'amour nous invite toujours plus loin. La foi, chers frères et sœurs, ce n'est pas de pratiquer un ensemble de rites. Des rites, je veux dire, de faire toujours la même chose, de faire toujours des novennes, ça c'est nécessaire. Mais c'est surtout de les pratiquer de telle ou telle manière. La foi, c'est de se laisser rencontrer par Dieu dans la vie de tous les jours, de nous laisser bousculer par son amour et de vivre selon son amour qui se fait lumière à notre esprit et force vive pour notre cœur.
que cet amour de Dieu, si nous sommes attentifs à pratiquer la charité, surtout dans ces temps de carême, nous rencontrerons des occasions tous les jours. Mais frères et sœurs, est-ce que nous allons avoir le courage de nous laisser regarder et aimer par Dieu, nous laisser toucher par son amour et faire le pas de vivre selon sa parole, selon son action en nous et dans notre vie? Dans la lecture de l'Évangile, nous avons écouté celui qui écoute la parole et qui croit que Jésus est le Fils de Dieu sera sauvé. Profitons de ce temps de carême nécessaire pour nous remettre en vérité devant le Seigneur, devant sa parole, et osons lui offrir véritablement, lui ouvrir véritablement notre esprit et notre cœur. Alors la Pâque qui est toute proche sera vraiment pour nous la fête de la résurrection. Amen. Amen. Celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle et y échappe au jugement, dit le Seigneur Jésus dans Jean 5, le verset 24. À présent, nous annonçons le rituel de la promesse des membres pour leur engagement au sein de la confrérie cardinale Élie Bienaimé. Excellence et le révérend Père Curé de la paroisse cathédrale Saint-Pierre en Péché, confrères prêtres, nous avons parmi nous les frères et les sœurs laïcs qui ont pris conscience que ce qu'étaient membres ou qu'étant membres de l'Église catholique romaine, d'être les disciples de Jésus, des servantes de Jésus, à la sœur du carnet de Mille Gaïna. Monsieur le maire. Certainement. Ah bon. Merci. Monseigneur Angèle Miguel Ravéry, archevêque de 23, président de l'Eucharistie, père aumônier de 16 ans. Nous avons parmi nous les membres des frères et des sœurs laïcs qui ont pris conscience qu'étant membre de l'Église catholique romaine à rite latin, d'être des disciples de Jésus à l'état du cardinal Émile Bienaimé. Durant au moins un an, nous les avons suivis, effectués un contrôle de leur connaissance et nous confirmons qu'ils sont dignes maintenant de s'engager librement à vivre leur apostolat comme membre de la confrérie cardinale Émile Bienaimé. Je demande que vous l'ouvriez, Jean-Paul, à la communauté chrétienne. Massamba, bienvenue, Arnaud, les voici. Pango, Patrick, Sainte Face de Jésus, Makoso, Lima, Mélina, Elvie, Kounieka, Yungi, Carmeli, Ngoma, Sylvanie, Franchel, Pangou Thérèse, Saint Jean Apôtre, Mbemba Joséphine, Mbemba Bamana Clarisse, Samba Georgette Yolande, Banzouzi Prisca Raïssa, Missonsa Gloria Merveille Divine, Saint Pierre Apôtre. Au combat, Rita. Koutoundou Edwige. Tiba Jean-Claude. Zouti Armelie Carel. Moumouangou Nadine. Namika Tanda Emma Claudel. Moukani Moussounda Patricia Flora.
Matoto de Bogolo Krishna. Yamangana Pascal. Bombi Brigitte. Bombi Brigitte. Bichindu Diane. Songi. En professant la foi catholique, arrive latin, comme le cardinal Émile Bienda. Chers fils et filles de demander par le Fils de Dieu, nous prenons acte de votre démarche consciencieuse dans cette communauté chrétienne pour annoncer votre engagement. Amen.
Père Nicolas. En...
peut s'abattre au fond de la quête et tout. Mathieu. En rédemption des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous t'as estimé digne de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Miguel Angel Colaveri à Venise et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont adormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défaits. Accueille-les dans la lumière. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté, Seigneur, pour ceux qui viennent de passer leur promesse, leur engagement dans la confrérie cardinale Émile Guéïda. Nous implorons ta bonté sur toutes les personnes qui ont demandé cette messe, sur les malades qui souffrent dans les hôpitaux du commun du monde, dans les prisons, dans nos familles respectives. Permette avec la Vierge Marie, la généreuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints, qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. À lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, qui es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire est pour le ciel et les siècles. Amen. Unis dans le même esprit, conduire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur, notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps, spécialement au pays qui souffre violence, sous tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ah, c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ qui a dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Un signe de paix. La paix de Christ. Amen.
l'esprit de cette communion à ton corps et à ton sang, n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Amen. Isaïe 49, verset 10.
rendant grâce à Dieu pour son serviteur, notre bon pasteur, le cardinal Elie Gaïda, qui continue de conduire et de prendre soin de son troupeau. Baya Yalanta Mouyeli, mettez vous pour ça la deuxième quête, paix, bacabou, y'a paix, je veux couper ça ma cabou. Elie Gaïda.
pour la guérir, faire aumônier de ses ans, faire curé de la paroisse cathédrale Saint-Pierre-Apôtre. Monsieur les abbés, chers membres du Bénal, chers membres du Bureau national de la confrérie, chers membres de la confrérie, chers parents et distingués invités. Aujourd'hui, 46 ans depuis le trépas, le 22 mars 1977, de son éminence le cardinal Émile Benda, archevêque de Brazzaville et premier cardinal de l'Afrique centrale. Nous, chrétiens et chrétiens du Congo, avions voulu le présenter comme modèle à suivre depuis le 14 novembre 1994, date de la demande au Vatican de sa cause de béatification et de canonisation. Aujourd'hui, une question se pose. Pourquoi jusqu'à ce jour, le nom de son éminence, le cardinal Émile Benda, n'est pas encore inscrit dans la liste des bienheureux? Chère maman et cher papa, membre de la confrérie cardinal Émile Benda, avant de voir les autres chrétiens et chrétiens du Congo, notre beau pays, nous devons nous regarder afin de trouver solution à cette épineuse et importante question. Le cardinal Émile Benda, dans ses dernières heures de vie, et ensemble avec les autres responsables des confessions religieuses dans l'œcuménisme du 22 mars 1977 à 16h30, dans sa résidence, nous avait laissé un testament. Je cite, « À tous nos frères croyants du Nord, du Centre et du Sud, en souvenir du président Marien Ngouabi, nous demandons beaucoup de calme, de fraternité et de confiance en Dieu. » Père de toute race et de toute tribu, afin qu'aucun geste déraisonnable ne puisse compromettre un climat de paix que nous souhaitons tous. Chère maman et cher papa, membre de la confrérie cardinale Émile Benda, que faisons-nous de ce testament dans nos vies? Le bon cardinal Émile Benda nous exhorte à l'unité. Le 19 février 1973, parlons à la voix de la révolution congolaise, Radio Congo aujourd'hui. Après qu'il soit créé cardinal, parlant de l'unité, disait « L'unité vraie, c'est l'unité des esprits. L'essentiel pour l'unité, c'est de reconnaître le bien que les autres sont capables de faire. Le chrétien, en effet, doit être le champion de l'unité parmi les hommes, parce qu'il n'y a qu'un commandement, celui d'aimer l'autre. Chère maman et cher papa, membre de la confrérie cardinale Émile Benda, et à vous chrétiennes et chrétiens du Congo. Le séjour du relateur en septembre 2022 et le passage de sa sainteté le pape François à 4,7 km du lieu où se trouve le cardinal Émile Benda est un grand espoir pour la cause du procès de notre bon pasteur le cardinal Émile Benda, mais il sied de reconnaître que nous ne sommes pas tous unis pour cette cause. Nous, nouveaux venus comme membres actifs dans la confrérie cardinale Émile Benda, sollicitons de vous, anciens, l'unité pour mieux mener cette cause du procès du cardinal Émile Benda jusqu'à son aboutissement. Au nom de tous les promettants de ce 22 mars 2023, nous tenons à remercier ceux-là qui ont disposé de leur temps pour nous former tant au niveau paroissial que de l'archidiocèse et surtout de mieux nous faire savoir ce qu'a été le bon cardinal Émile Benda. Nous disons un grand merci aux aumôniers diocésains pour lesquels choisis tout au long de notre formation. Puisse le bon Dieu nous utiliser afin que la bonne nouvelle soit notre partage, vu l'engagement que nous venons de faire pour aller vers Jésus en prenant pour modèle de vie le cardinal Émile Benda. Que le Saint-Esprit puisse nous guider abondamment, aujourd'hui et à jamais, et qu'en aucun cas nous puissions renoncer à notre engagement. Encore une fois, merci à tous et à chacun. Émile Benda, je vous remercie. Zibou Doukele, 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 Zibou Doukele,
merci de votre temps. Malgré toutes les occupations, vous êtes avec nous, soit. Merci à nos ouvriers, merci aux prêtres qui nous ont accompagnés. Elle est grande ma joie. Elle est vraiment grande ma joie. Si le Seigneur pense qu'il peut me prendre maintenant, là, moi je pense que je n'irai pas pire qu'à toi. Parce qu'elle est grande ma joie et mon cœur est dans la joie. Mais pour confirmer cette joie, mon Seigneur Dieu, vous allez souffrir un peu, tout simplement un peu. Je vais chanter avec vous une chanson pour laquelle le cardinal tient le coup. Faites aussi ma zola et 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 alors que les gens deviennent en ce monde,
ils parviendront jusqu'à toi, les souverains bien. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Justement, rappelez-vous de ceci. Quand dans nos paroisses, dans nos quartiers, dans nos familles, il y a des litiges, des séparations, des tensions, rappelez-vous toujours ce que vous avez répété aujourd'hui. Le cardinal Ligueyen nous a invité toujours à l'imiter. Le Christ lui-même, que le cardinal a suivi, il a prié toujours son Père en disant qu'il soit un. Travaillons toujours pour cette unité et pour la paix. Et avec votre esprit. Que Dieu puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tous.